Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui avec une vidéo. J'ai déjà commencé un peu le bas parce que vu que je suis assez pressée, mais je voulais vous montrer un peu comment je fais la coloration de mes extensions, de mes perruques. Hier, j'ai déjà fait la décoloration, je fais de la décoloration. Cette étape, je vous montrerai une prochaine fois. Et là, je suis en train de tester une coloration de chez Action. Je fais un peu un style tie-and-dye. Je sais pas si ça va fonctionner. On verra. Donc là, j'ai testé cette coloration. C'est la coloration non permanente. C'est juste pour une séance photo. Je voulais changer un peu de couleur de cheveux. J'ai pas envie d'avoir une couleur permanente. C'est une couleur qui part entre 2 à 10 lavages. J'ai pris le bleu numéro 27. Que c'était dans les 1,99€ par là. Pour des extensions, je vous laisserai. Je sais pas si je vais trouver le lien. Je les ai eu sur Amazon, ces extensions. Et ça fait un moment que je les avais commandées. J'ai confectionné cette perruque, on va dire, il y a bientôt 2 mois. Et pour ma coloration, j'ai besoin de mon petit matos. Tout ça là, j'ai eu ça. À bleu lubel. Si vous venez juste d'arriver, je vous invite à n'hésiter pas de liker la vidéo, de partager et de vous abonner. Pour des nouvelles personnes qui viennent d'arriver, même les anciennes, il y aura un petit changement. Je faisais déjà du capillaire, donc les tresses, tout ça. Mais il y aura encore plus de changements parce que je vais introduire beaucoup, ça va être beaucoup du capillaire dans les perruques. N'hésitez pas aussi d'enclencher la cloche des notifications pour recevoir toutes les prochaines vidéos que je posterai. Voilà, je vous laisse avec la vidéo au lieu de parler. Je vous laisse avec la vidéo. Oui, la petite astuce pour ne pas salir mon mannequin, j'ai filmé mon mannequin. Donc, j'ai mis du film alimentaire tout autour de mon mannequin, partout. Mais dépêché, franchement. C'est ouf, j'ai pas trop de temps. Donc à tout à l'heure.